حد عنده شيء يساهم به والجميع مكونكتي. مع جراتينات نجمة إثنان من موف موريتال، تواصلوا بشبكة الجيل الرابع الأكثر انتشاراً في موريتانيا واستمتعوا بزيادات استثنائية كل نهاية أسبوع مع فرفحة جراتينات نجمة إثنان من موف موريتال. تستفيدون إلى غاية 200 جيجا صالحة لمدة شهرين. لتفعيل فرفحة جراتينات نجمة إثنان، أدخل نجمة 123 نجمة، رمز تفعيل من 10 إلى 2000 أوقية، نجمة إثنان مربع، أو قوموا بتفعيل الخدمة مباشرة عند بعث الرصيد شرجي. موف موريتال، عالم جديد يناديكم. غركي يا جاوي الخطار، ما تخلق شفرة في الدار، نخرص وصفة في النت، نجي معدلتها ديريكت. عندنا في دارنا ويفينا، ويفينا يكونكتينا، فرفي واحد يكفينا، سوا في دارنا يسوا مشينا. Maintenant avec Wifina de Mattel, le Wi-Fi chez vous, à la maison et au meilleur prix. À partir d'une recharge de 800 Ogi à nouvelle seulement, bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à la maison et l'illimité durant tout le mois. Et en plus du Wi-Fi à la maison, partagez gratuitement votre compte Wifina avec 4 numéros Mattel de votre famille pour profiter de la connexion à l'extérieur, là où vous êtes en ville. Wifina nous connecte à toute heure, à la maison et à l'extérieur. Mattel, la vie connectée. Ma raison de vivre, ce sont les autres. Être présent auprès d'eux, leur donner mon temps, sans compter. Avec Gratis Plus étoile 1 de Move Moritel, appelez sans compter grâce à des forfaits pleins de générosité. Les forfaits Gratis Plus étoile 1 de Move Moritel vous offrent jusqu'à 2 heures de communication avec 100 SMS et 100 mégas. Tapez étoile 1, 2, 3, étoile, code d'une recharge de 10 à 100 Ogiya, étoile 1, dièse. Ou activez le forfait directement d'un revendeur Chargilly. Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un monde nouveau vous appelle. Préside la réunion du comité ministériel élargi, chargé du suivi des crises et catastrophes naturelles. Le ministre de la Santé visite le centre orthopédique et les foyers d'accueil des sinistrés des dernières pluies. Et Nouakchott abrite les journées annuelles sur la formation professionnelle. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Comme annoncé dans les titres, le comité ministériel élargi chargé du suivi des crises et des catastrophes naturelles s'est réuni ce lundi sous la présidence du Premier ministre Mohamed Bilal Messaoud. Réunion qui intervient après les importantes pluies qu'a connues le pays ces dernières semaines et au cours de laquelle le comité a suivi un exposé présenté par le comité technique sur la montée du niveau d'eau du fleuve Sénégal, l'état des barrages de Foum Gleta et de Saguelil comme grand barrage maîtrisant de grandes quantités d'eau. L'exposé a également abordé les mesures et les plans d'intervention d'urgence à envisager en conformité avec les directives du président de la République, Mohamed El-Razouani, visant à mettre en place une administration toujours proche du citoyen. Après examen de la situation, le comité ministériel a recommandé la nécessité d'une coordination entre les départements ministériels intervenant avec les
les intérêts techniques de l'OMVS afin d'établir les meilleures façons de gérer le niveau d'eau des barrages de Monantali et de Diama et de développer des plans d'urgence dans les meilleurs délais, ce qui permettra de réparer et de réaliser la carte des premières zones d'intervention rapide et de formation services techniques, de surveillance et d'alerte au niveau de la wilaya du Gorgol. Enfin, le comité ministériel a approuvé la mise en place de cellules de surveillance et d'alerte dans les zones menacées, notamment l'axe Fungleta, Kaidi. Et l'axe Kaidi-Rosso est de doter ces zones de stations de surveillance de la situation hydrologique, rapport sur la surveillance et les inclure dans les bulletins quotidiens sur la situation avec ce que les services des données météorologiques de la situation générale du pays. En conclusion, le Premier ministre a donné les directives nécessaires au département ministériel intervenant afin de se coordonner à travers le comité technique de suivi des catastrophes et d'élaborer des stratégies et des plans d'urgence pour faire face, soulignant également que le comité technique demeure en session ouverte pour pouvoir suivre la situation en permanence. Le ministre de la Santé s'est rendu hier soir au Centre national d'orthopédie et des grands brûlés, suivi d'une visite pour les équipes chargées de l'hygiène publique dans les Bretagnes de Darnaïm et certains centres d'accueil des sinistrés des dernières pluies au niveau de cette circonscription. Le point avec Mohamed Rabat. C'est une tournée que le ministre de la Santé, M. Mokhtar Oldahi, a commencé par une visite au centre de traumatologie, d'orthopédie et des grands brûlés à Nouakchott, où il a visité les différents services du centre. Le ministre s'est également rendu dans les différentes chambres d'hospitalisation pour s'informer de l'état de santé des malades, de la qualité de leur prise en charge, du bon déroulement des opérations qu'ils ont subies et s'est informé sur la nature des autres traitements dispensés au profit des citoyens. L'autre étape de cette tournée était les équipes d'assainissement chargées des opérations d'aspiration des eaux de pluie à Darnaïm, dans la wilaya de Nouakchott Nord, confiée au ministère de la Santé. Ici, le ministre a pris le pouls de l'opération de drainage des eaux pluviales avec les équipes qui sont à pied d'œuvre pour faciliter la circulation des citoyens et pour un retour rapide du trafic à la situation normale. La dernière étape de cette tournée du ministre de la Santé était le centre d'accueil des populations sinistrées à Darnaïm, où il a pu voir de près et de façon précise la situation des habitants des quartiers touchés par les récentes pluies. L'occasion pour M. Mokhtar Oldahi de préciser que les instructions du président de la République, M. Mohamed El-Sheikh Al-Ghazouani, sont claires et engagent le gouvernement à se tenir aux côtés des populations, notamment les plus vulnérables, indiquant qu'il a pu visiter les quartiers sinistrés où il s'est informé sur l'action menée par les équipes mobiles pour désinfecter les eaux stagnantes dans les rues de Darnaïm, appelant tous à la nécessité de mener un travail de sensibilisation pour que les enfants en particulier s'éloignent de ces lieux et évitent les maladies qui se propagent dans de pareilles circonstances. Le ministre a également précisé que la visite a comporté une école dans la Moukata'a de Darnaïm qui accueille les populations dont les maisons ont été endommagées, soulignant qu'il a pris connaissance des mesures sanitaires prises par son département, dont la distribution des moustiquaires et les consultations médicales, attirant l'attention sur le fait que le ministère de la Santé a décidé de renforcer la présence de ses équipes dans les lieux d'accueil des populations sinistrées, de manière à permettre une permanence à toutes les heures de la journée. Il convient de rappeler que cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts et de la volonté du gouvernement de demeurer aux côtés des citoyens et de déployer tous les efforts pour dépasser cette situation. Un centre national de programme de développement des techniques d'élevage des petits ruminants est sous le point d'être érigé dans la localité de Cham, relevant de la commune d'Ar El Barka, dans le Brakna. Le coup d'envoi des travaux de cet édifice, le premier d'une dizaine de centres qui seront construits prochainement, a été donné par le ministre de l'Élevage, Mohamed Souedat, se trouvait auparavant dans la capitale du Gorgol, où il a tenu une réunion avec les éleveurs centrée sur leurs préoccupations et attente. Bokar Baylaba. C'est l'École nationale de formation et de vulgarisation agricole de Kaidi qui a servi de cadre de la réunion du ministre de l'Élevage avec les acteurs et les éleveurs dans la wilaya du Gorgol. Dans son intervention, Mohamed Souedat a indiqué que le département a tracé un plan global de développement et de modernisation
comportant la création de réserves naturelles dotées de tous les moyens nécessaires comme l'eau, les fourrages, les pâturages, la santé animale, entre autres. Il a en outre précisé que son département a mis sur pied deux établissements publics, l'un à caractère industriel commercial appelé la Mauritanienne pour les produits animaux, l'autre établissement restructuré est l'Office national de recherche de développement de l'élevage et du système de pâturage. Mohamed Al-Soydat a en outre indiqué qu'il est venu écouter les problèmes et les doléances des éleveurs et investisseurs dans le secteur et discuter avec eux tous les défis qui entravent le développement de l'élevage. De son côté, le Wali du Gorgol Ahmed Naoussidiebe a indiqué que le secteur de l'élevage joue un grand rôle dans l'appui à l'économie nationale, soulignant que la wilaya du Gorgol est surtout connue pour l'agriculture et l'élevage. Le président du conseil régional du Gorgol, Amadou Abouba, et le maire de la commune de Kaïdi, Tahara Baradji, se sont félicités des grands acquis réalisés dans le secteur de l'élevage. Et ils ont remercié le département pour le lancement de l'exécution de ces importants projets. D'autres intervenants ont souligné la nécessité de fournir des aliments de bataille à des prix abordables, d'augmenter le personnel vétérinaire, approvisionner les zones rurales en produits médicaux et créer des points d'eau dans les zones pastorales. Par ailleurs, le ministre d'élevage a visité la délégation régionale d'élevage à Kaïdi, où il a été édifié sur les interventions opérées par la délégation et les contraintes entravant son action. Toujours à Kaïdi, Mohamed Al-Soydat s'est informé du projet agro-pastoral Semega qui opère dans l'amélioration des bovins, des ovins et des caprins, ainsi que la culture des fourrages employant 30 jeunes. À Ganki, le ministre de l'Élevage s'est informé du projet de construction de 5 fermes d'amélioration de la race bovine et d'un périmètre de culture fourragère d'une superficie de 4 hectares. Cap sur le Brakna, précisément l'arrondissement administratif de Dar El Barka, où le ministre de l'Élevage, Mohamed Al-Soydat, accompagné du Wali Taïb Mohamed Mahmoud, a supervisé dans la localité de Cham le démarrage du chantier du Centre national du programme de développement des techniques d'élevage des petits ruminants. Ce programme vise à moderniser et développer les systèmes d'élevage des petits ruminants, caprins et ovins, par l'introduction de techniques améliorées d'élevage et de gestion participative. La maire de la commune de Dar El Barka s'est déclarée réjouie du choix de la localité de Cham pour le lancement du programme, remerciant ainsi le président de la République et le gouvernement pour leur prise en compte des préoccupations des populations et pour l'assistance et l'appui en faveur des citoyens. Le porte-parole des habitants de Cham a exprimé les mêmes sentiments de satisfaction pour le choix de sa localité, souhaitant que soit assuré son approvisionnement en eau et son électrification ainsi que pour les villages avoisinants. A noter que les 10 centres qui seront créés introduiront et diffuseront les meilleures pratiques dans le domaine de l'élevage des ovins et l'utilisation optimale du lait et des produits carnés. Ici à Nouakchott, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a supervisé les travaux des journées annuelles de la formation technique et professionnelle. Placée sous le thème « Révision de la carte de la formation professionnelle et validation d'axes stratégiques », organisée en collaboration avec la coopération allemande, ces journées permettront aux participants de procéder à l'état des lieux de la formation dans le dessein d'envisager un avenir meilleur à ce secteur. Abdoulaye Tababa. Des directeurs d'établissements de formation technique et professionnelle et des directeurs centraux prennent part à ces journées de rencontres, d'échanges et d'enrichissement mutuel. Et ainsi, il sera question, lors de ces discussions, de l'élaboration d'une feuille de route de la démarche qualité au sein des structures d'enseignement technique et professionnel, de la mise à jour de la carte de formation professionnelle pour l'année 2022-2023 qui prend en compte les besoins prioritaires du marché de l'emploi, de la restitution du rapport final des ateliers régionaux de la formation technique et professionnelle, entre autres. Environ 110% de la population active nationale n'a pas accès à l'enseignement supérieur. Et les dons sans qualification ou sortant de la FTP. Nous avons donc une lourde responsabilité car l'économie et l'équilibre social de notre pays reposent sur nos épaules. Soyons donc à la hauteur de cette noble responsabilité. Je sais la tâche immense et les moyens limités. Sachons utiliser ces moyens dont nous disposons à bon escient. À nous de redoubler d'efforts pour compter sur notre efficacité. Son Excellence le Président de la République, Mohamed Al-Sheikh Al-Razouani,
a mis l'emploi au cœur de son programme électoral. Tahoudati. Ces journées d'échange sont, de notre point de vue, un élément garantissant une formation technique répondant aux besoins spécifiques en main-d'œuvre hautement qualifiée du marché du travail. Je vous souhaite donc des discussions constructives, des travaux de groupe efficaces et des résultats conformes aux objectifs. Rappelons que les travaux de ces journées annuelles de la formation technique et professionnelle s'étalent sur 3 jours. Aujourd'hui, le lancement de la campagne de sensibilisation destinée à accompagner la campagne agricole pluviale 2021-2022. L'occasion pour le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khattar Chibani, qui en a donné le coup d'envoi, de suivre les explications détaillées sur les dispositions prises par les équipes de la radio au niveau de l'ensemble des wilayas pour vulgariser l'importance de l'agriculture pluviale dans la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. La délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Tahazour, a donné une date butoir aux responsables des bureaux chargés du suivi des travaux et des entrepreneurs. Ces derniers ont jusqu'au 31 octobre pour achever tous les chantiers conformément aux normes. Njia Jekani nous explique. C'est dans le cadre des ateliers de suivi des infrastructures mis en place par la Délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tahazour qu'intervient cette réunion présidée par son secrétaire général, M. Mohamed Ali Oussidi Mohamed. Cette rencontre entre Tahazour, les bureaux de suivi de travail ainsi que les prestataires a pour but l'accélération du rythme de travail de ces projets afin de mieux servir les citoyens. Ouvrant la rencontre, M. Mohamed Ali Oussidi Mohamed a exhorté les concernés à respecter les conditions mentionnées dans les cahiers de charges et à opérer avec transparence leurs prestations de services. Il a ajouté qu'il œuvrerait personnellement à l'exonération de toutes les taxes pour tous ceux qui auront terminé leur atelier avant le délai prévu, à savoir le 31 octobre prochain. Il est attendu que la présente réunion contribuera au renforcement des capacités des prestataires ayant achevé leurs travaux au délai prévu et les encourage à travers l'exonération des taxes à améliorer leur qualité de prestation dans le futur. Le département de l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif se prépare pour la nouvelle année, la nouvelle rentrée scolaire 2022-2023. Il a réuni dans la ville de Tilliet les directeurs régionaux de l'éducation afin de se concerter sur les moyens et voies permettant de créer les meilleures conditions pour assurer avec succès la prochaine rentrée des classes. Bokar Belaba. La rentrée scolaire 2022-2023 s'ouvrira dans un contexte particulier. C'est l'impact de l'hivernage sur les infrastructures scolaires. Mais les pouvoirs publics ont déjà pris les taureaux par les cornes. En d'autres termes, le ministère de l'Éducation nationale a pris un certain nombre de mesures accompagnant le retour à l'école. Et l'organisation de cet atelier à Tiguint au Tarza est de nature à préparer la rentrée scolaire dans des conditions optimales. La rentrée scolaire 2022-2023, objet du présent atelier, sera marquée par l'application des lignes des mesures phares du programme électoral du président de la République, à savoir l'accueil de tous les élèves de la première année du fondamental dans les écoles publiques mauritaniennes. Il vous revient donc de concrétiser sur le terrain cette mesure de la loi d'orientation du système éducatif adoptée à la fin du mois de juillet par l'Assemblée nationale. En outre, notre pays a connu cette année une bonne pluviométrie qui aura sans nul doute des conséquences sur les infrastructures scolaires. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, que le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a demandé au Wali, lors de la rencontre organisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation le 19 août passé, de mettre sur pied une commission régionale tripartite, ministère de l'Éducation, mais c'est de l'intérêt de la décentralisation et celui de l'habitat, chargé de faire l'état des lieux des infrastructures avant l'année scolaire et de prendre les mesures idoines. L'atelier a été aussi émaillé par des exposés sur les affectations, l'orientation des élèves, la carte scolaire, le manuel scolaire, le projet École verte, entre autres.
Le ministère de l'Agriculture a entamé hier soir à Nouakchott Sud une campagne de démoustication et d'éradication des insectes nuisibles. L'opération, supervisée par le secrétaire général du département, Ahmed Salem Harbi, a consisté dans la pulvérisation dans les eaux stagnantes. Des équipes mobiles procéderont à la désinfection des marchés et d'autres zones. Hier soir, s'est clôturée à Nouakchott la Coupe du président de la République de la course des chameaux, organisée à l'initiative de la Fédération mauritanienne du même nom. La manifestation a été émaillée par divers jeux et compétitions traditionnelles. Bokar Abdeladama, pas plus tôt. À la suite de trois jours d'après-compétition, c'est la fin du tournoi des courses de chameaux qui est organisé par la Fédération mauritanienne de course de chameaux. Cette compétition qui a mis en jeu la Coupe du Président pour la course des chameaux s'est tenue sur une distance de 5 km. Elle a eu lieu sur la route reliant Nouakchott à Ouagadougou. En plus de ce tournoi de course de chameaux, d'autres disciplines sportives étaient aussi au menu, dont le tir à la cible traditionnelle et des jeux traditionnels. Les vainqueurs ont eu droit à des récompenses. La clôture de cette manifestation s'est tenue sous la supervision du directeur général de la culture au sein du ministère de la culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement. Il a remis la coupe du président de la République pour la course des chameaux au vainqueur de ce tournoi. La vice-présidente du conseil régional de Nouakchott a quant à elle remis le trophée de la deuxième place au chamelier qui est arrivé en deuxième position. Et le maire de Tavrexena a remis pour sa part au chamelier arrivé en troisième position sa récompense. Les vainqueurs dans le cadre des autres disciplines sportives ont aussi eu droit à des distinctions. L'actualité relative à la pandémie Covid-19 en Mauritanie, marquée ces dernières 24 heures par zéro contamination, selon le bulletin du ministère de la Santé. Voyons à présent les quantités de pluie relevées hier au niveau de certaines villes et localités du pays. Kifa, ouverture d'un colloque sur le gaspillage et autres formes de dépenses inconsidérées lors d'événements à caractère social, organisé par le Forum de la Société Civile dans la Wilaya de l'Assaba. L'occasion pour le Wali de l'Assaba de souligner l'importance du rôle de la société civile dans l'accompagnement des programmes de l'État. Amin Khalil.
C'est dans le cadre de la lutte contre le gaspillage lors des événements sociaux que le Forum de la société civile de la Wilaya de la Sabah a organisé un festival multidisciplinaire visant à sensibiliser, à travers des théâtres et autres, des populations locales sur la nécessité de la bonne gestion de leurs ressources. Intervenant par la circonstance, le wali de la Sabah, M. Mohamedou Ahmed Mouloud, a souligné l'importance du rôle de la société civile dans l'accompagnement des programmes de l'État et a exprimé ses remerciements au Forum de la société civile de la Sabah pour son rôle en matière de sensibilisation des populations aux enseignements et recommandations qui proscrivent formellement toute tendance à l'exagération et au gaspillage. De son côté, la responsable du Forum de la société civile de la Sabah, Mme Zainab Mtsidani, a assuré que le Forum mènera une campagne de sensibilisation qui inclut toutes les muqatas de la wilaya afin de lutter contre la mauvaise gestion, en particulier le gaspillage lors des événements sociaux. Elle a précisé que la mauvaise gestion des ressources approfondit certains problèmes sociaux et économiques et peut provoquer une autre pratique encore plus grave, celle de la corruption. Il est à noter que l'adhésion en grand nombre des jeunes de la Sabah à cette initiative démontre leur détermination à éradiquer la pratique du gaspillage nocif à la société et au portefeuille des familles. Voilà, c'est donc le dernier élément de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel élargi chargé du suivi des crises et catastrophes naturelles. Le ministre de la Santé visite le centre orthopédique et les foyers d'accueil des sinistrés des dernières pluies. Nouakchott abrite les journées annuelles sur la formation professionnelle. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Passez une excellente soirée.